Akara bonya ye. Akara bonya ye. Yabu wala na. Ne ye dɔrɔmɛ kɛmɛ naani di. Ɔɔ. Ala ka gɛrɛsɛgɛw lakori. Ami. Ala ka gɛrɛsɛgɛw lakori. Ala ka sanuya a sanuya yɔrɔ. Ala ka kɛnɛyaw sabati. Ala ka kɛnɛyaw sabati. Ala ka hakiliw di an ma. O tigi barika la. Awɔ. Ala k'aw sara ni hɛrɛ ye. Ala ka caman bila a bɔ. Ami. O y'a jɔ mɛn. Ça, c'est la prédication. Ouais, ouais. C'est la prédication. Wajuli, Wajuli, Quand on parle de la bonne nouvelle, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Prêcher pour Jésus-Christ, l'homme voilà. Prophète. C'est Coran dit Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus-Christ, c'est l'homme prophète. Voilà. C'est l'homme prophète. Il y a le Messie. Il est l'homme prophète. C'est le Messie promis. Il était très fort en malhonnêteté. Et puis, dans les Saint-Coran, Dieu dit aussi. Et Jésus-Christ, c'est l'homme qui est très clair et très sincère, honnête. Bon, c'est ça le courant. En ce qui concerne maintenant la Bible nous dit que le salut ne s'obtient qu'en Jésus seul. Jésus-Christ. Le salut, voilà, le salut appartient à Jésus. Donc c'est ça que nous enseignons dans la Bible. Là, dans le courant, le courant ne parle pas comme ça. La raison pour laquelle on ne doit pas se dire. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous démontre le chemin qui mène à la vie éternelle. Voilà. Un seul chemin mène au paradis. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Ah oui, même il y a beaucoup de musulmans qui ne connaissent même pas le chemin de Mohammed. Bon, c'est les musulmans. Chez nous, les musulmans, voilà. Il y a des différentes. Mais. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Après, je te rappelle. C'est-à-dire, les gens qui prient et les musulmans sont différents. Il y a des gens qui prient, mais eux, ils ne sont pas musulmans. Sinon, Jésus-Christ là. Tu comprends comme ça. Il y a aussi des chrétiens qui connaissent Jésus comme leur sauveur, mais qui ne sont pas leur Seigneur. Il faut que ça soit ton Seigneur et ton sauveur. Comme ça, c'est compliqué. Mais il y a des gens là qui connaissent Jésus comme leur sauveur. Ils ne croient pas comme leur Seigneur. Sinon, voilà. Quand Jésus marchait avec ses disciples, après avoir vu et entendu beaucoup de choses sur Jésus, ce jour-là, Jésus-Christ voulait savoir qui je suis. Il a demandé à ses disciples qui je suis. Et Pierre dit que Christ. Parce qu'en ce moment-là, il y avait beaucoup, comme si c'était le pays Israël, et ils étaient très informés. Beaucoup d'Israël paraient que Jésus était un simple prophète. D'autres disaient que c'était Élie qui était venu. Élie était pour nous. D'autres disaient que c'était le prophète Élie. D'autres disaient que c'était le prophète Jérémie. Bon, la raison pour laquelle Jésus leur demanda alors qui je suis. Et Pierre dit, toi, tu es le Fils de Dieu vivant. La raison pour laquelle Jésus lui a dit, ce n'est pas une personne qui t'a montré là, mais c'est Dieu, mon Père qui t'a montré. Mais Jésus-Christ dit, tu vois, même à présent, il ne faut pas l'intérêt de savoir que c'est le Messie.
venu de Dieu pour sauver l'humanité toute entière par son propre sang. Jésus-Christ, il a été crucifié pour toi-même. Mais t'as Lucas, laisse-le écouter quand même, ça a beaucoup parlé. Et non, il va y aller, mais le Lucas là, le Lucas n'entend pas quelqu'un parler. Ah bon, j'ai non, on est venu vous saluer. Dans le frère, il y a une versée, courant tout le rat. Verset 6, Dieu dit, et quand Jésus, le fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de l'envoi à vous, confirmant ce qui est dans la croix. Entrez à moi et entrez à ce que je vous ai dit à vous. Venez après moi, je vous ai dit à vous. Puis quand ceci, je vous ai dit, il dit, c'est là une magie mentale. Ahmed, en arabe, est presque la même situation que Mohamed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans les tiens courants. Ça désigne la même personne. C'est ça, c'est l'islam. Le prophète de l'islam, Jésus. Jésus dit, et quand Jésus, c'est-à-dire quand Jésus, le fils de Marie, dit, oh l'enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, à qui? Les enfants d'Israël. Pour faire quoi? Confirmateur de ce qui dans la Torah. Et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. C'est ça qui dit le Coran. Oui, même dans la Bible, c'est là-bas. Non, c'est pas écrit là. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est ça est dans le Coran. Bien sûr, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran, quand même, mais dans la Bible, non. Ce qu'il y a dans la Bible, je peux dire. Mais, tout le jour, tu m'avais dit ça. Depuis en 2000, depuis en 2009, on a fait des débats. Il dit que nous, ça nous va venir. Bon, quand on dit Ahmed, Ahmed c'est langue arabe. Mais le Saint-Esprit, c'est le français. Non, c'est le français. Mais Nissanou, c'est pas le français. Non. Ça veut dire que l'homme pur. L'homme âme. Âme pure, voilà, âme pure. Maintenant, âme pure, et en arabe aussi, Ahmed, ça veut dire en bambara, l'âme pure. Oh là, le Coran dit Ahmed et Mohamed, ça désigne la même personne, le prophète de l'islam. Donc, nous, ça nous. Le Saint-Esprit là, c'est Mohamed. Alors, c'est pas moi qui ai dit. C'est le Coran qui a dit, et puis c'est même l'imaginaire. L'homme c'est la parole. Quand on dit Mohamed la foule et Mohamed le cœur, Mohamed dit de prêcher. Tout chaque fois on prêche. Mohamed est vivant. Mohamed dit de prier. Chaque fois on prie. Donc Mohamed est vivant. Donc l'homme c'est la parole. On va se voir. Ça va. 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 Ça va.